Eh ben, Silence, on dirait que t'as enfin trouvé une porte que tu peux ouvrir sans moi. Eh bien, heureusement qu'elle était là. Elle m'a épargné la compagnie des gens que tu fréquentes. Mais bref, passons. Je crois que tu me dois des explications. Que prévois-tu pour la base des Zéniths ? C'est vrai. Je te dois quelque chose. Un coup de lance dans la gorge pour m'avoir encore trahi, au laboratoire d'Hadès. Je doute que tu m'aies fait venir pour me menacer. Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de ton aide. Alors je te donne une toute dernière chance. Mais si tu me trahis à nouveau, je te tuerai, peu importe les circonstances. C'est compris ? C'est noté. Mais les Zéniths risquent d'écourter nos deux vies avant si tu ne nous fais pas entrer dans cette base. Aloy, ton autre invité est là. Elle vient vers toi. Merci. Timing parfait. En vérité, je ne peux pas nous faire entrer dans cette base. Mais elle, elle peut. Tes fréquentations sont encore pires que ce que j'imaginais. Tu n'aimes pas tellement les surprises, toi. Ah, tiens. Ça doit être ta petite invention. Est-ce que l'arme fonctionne ? Sans s'auto-détruire ? Bien évidemment. J'ai corrigé ses imperfections et j'ai amélioré sa conception. Et ses effets. Comment on peut en être sûr ? Tu veux une démonstration ? Vous deux, ça suffit. On est dans le même bateau, au moins pour l'instant. Allez voir Erend. Demandez-lui de vous attribuer des salles. Je reviendrai vous voir dès que j'aurai le temps. Oh non, après toi. Je dois rassembler tout le monde dans la salle des commandes pour que Tilda nous dise ce qu'elle sait sur la base des Zéniths. Tu vas voir, là. Aloy, je peux te parler ? On va se les faire si t'arrêtes l'espace. Aloy, il semble que nous ayons accueilli de nouveaux invités. Je suis contente que tu ailles bien. Il paraît que t'as fait sensation chez nos amis Ténac. Je m'attendais presque à te voir traverser le toit à dos d'aile des lions. Désolée de te décevoir. Oh, je voulais aussi te donner ça. Pour les dieux de la Terre. Mélopée te doit beaucoup. Merci, Zo. Tu mérites bien plus pour ce que tu as fait. Que le sol fleurisse toujours sous tes pas. Et les tiens ? Comment a réagi le cœur après qu'on ait guéri les dieux de la Terre ? Ils n'en revenaient pas quand je leur ai dit que nos terres allaient bientôt guérir. Les yeux de Fein ont failli sortir de leurs orbites. Mais ils n'ont pas eu d'autre choix que de s'en réjouir, bien sûr. Même si ça signifie que tout leur prêche sur l'acceptation de notre malheur ne valait rien. Pour être honnête, j'ai trouvé cette conversation très amusante. Ah, tant mieux. Tu le mérites bien. Ils ont de la chance que tu ne les aies jamais laissés tomber. Tu as déjà parlé à l'un de nos nouveaux amis ? Erend et moi avons tenté de parler à Silence, mais apparemment nos babillages tribaux ne sont pas nécessaires. Charmant, tu trouves pas ? Je dois y aller. Je compte sur toi pour maintenir l'ordre par ici. Je m'assurerai qu'Erend ne frappe pas Silence, si c'est ce qui t'inquiète. Merci. Aloy, t'es revenu avec des nouveaux camarades ? J'adorerais qu'on puisse se passer d'eux, mais Silence et Tilda vont pouvoir nous aider. Ouais, l'ennemi de mon ennemi, tout ça, hein ? C'est ça. Je ferai bien d'y aller. Tu sais où tu peux me trouver ?
Bon. Il est peut-être temps de réunir tout le monde pour que Tilda puisse nous parler. Mais il y a peut-être autre chose que je dois régler avant. Bon, je voudrais vous voir dans la salle des commandes, tout de suite. Bien, commençons. On sait tout ce qui est en jeu. Beta, Gaïa. Sans oublier la vie sur Terre. On pourrait penser que les Zéniths sont invincibles, mais ce n'est pas le cas. On a tout ce qu'il nous faut pour infiltrer leur base et les vaincre. On a même l'une des leurs avec nous. Tilda, montre-nous la base. Elle a été bâtie sur les ruines d'un ancien complexe militaire sur une île située au sud-ouest. Je peux nous faire entrer. À cet endroit. Discrètement. Et comment, juste? Tu le sauras en temps voulu. Une fois à l'intérieur, nous irons ici. La tour de lancement. Gaïa et Beta sont détenus au sommet. Mais en chemin, nous devrons faire face à de nombreux adversaires. En particulier Gérard, Eric et les autres. Mais aussi... Quand je me serai occupé de leurs boucliers, on devrait pouvoir les neutraliser. Mais il sera plus facile d'activer le dispositif si quelqu'un d'autre le porte. Il faudra quelqu'un de fort. Porter des trucs ? Ouais, c'est dans mes cordes. Même si ton appareil fonctionne, il restera les drones spectres en grand nombre. Si seulement on avait une armée pour les affronter. J'ai un moyen de gérer ça. Vous comprendrez le moment venu. Très bien. On doit se retrouver avant de s'infiltrer. Quel est le meilleur endroit pour ça ? Sur la côte, juste en face de l'île. Une fois là-bas, je vous guiderai. D'accord. Je vous contacterai une fois que je serai arrivée. Et vous pourrez me rejoindre. En attendant, faites tout le nécessaire pour vous préparer. C'est compris ? Vous deux ? Un instant. Tilda m'a permis de contacter Beta, et elle m'a appris quelque chose d'important. Il y a une installation dans la base qu'on appelle un régulateur, ici. Une fois à l'intérieur, vous devrez vous séparer du reste du groupe pour le détruire. Il vous faudra des explosifs. Ça permettra de freiner les drones. Toute la mission repose là-dessus. Ça ira. Après ça, vous trouverez un moyen d'infiltrer le réseau des Zéniths. Comment ? Il faudra parcourir toutes les données que Beta a laissées. Elle savait comment faire, j'en suis sûre. Très bien. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que je suis censée faire ? Trouver des informations au sujet des Zéniths. Tout détail que Tilda peut cacher. Silence a raison sur une chose. On ne peut pas se permettre de lui faire confiance. Je ferai de mon mieux. Veille sur elle. D'accord ? Je te le promets. Bon. Je vais bientôt devoir aller chercher Beta et Gaïa. Je devrais peut-être aller voir tout le monde avant. Je vais nettoyer mon matériel tout à l'heure. Je peux m'occuper du tien si tu veux. Je l'ai déjà nettoyé. Oui, bien sûr. Merci. Je t'en prie. Oh.
planer. Même si Regala a été vaincu, il reste des avant-postes remplis de rebelles. Je dois me débarrasser de leur chef, pour que les autres prennent la fuite. Un abri. Je devrais y être en sécurité. C'est l'une des maréchales des carreaux, avec une chasseuse blessée. Peut-être qu'elles ont besoin d'aide. Cette piste est dans un sale état. Aloy, c'est Kotalo. J'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Trois de nos soldats ont disparu dans la vallée des défunts. Toute la zone grouille de machines. Et on raconte qu'il y a des lumières visibles au large. La maréchale Illyra doit être à l'entrée de la vallée. Elle a peut-être besoin de toi. Merci. J'irai la voir dès que possible. Je crois avoir aperçu Ivira et un autre Ténac à l'entrée de la vallée. Je devrais peut-être retourner les voir. Ça grimpe encore. On dirait bien que ça n'en finit pas. Ah.
machine détruite. Et une grosse en plus. Les blessures sont profondes. Celui qui l'a abattu n'y est pas allé de main morte. Encore une machine détruite. Il a fallu y aller pour l'abattre. Je ferais mieux de faire attention. Ça doit être l'un des Ténacs disparus. Nous y voilà. La base Zénith. La munition électrique me serait bien utile. Voilà le point de rendez-vous. J'ai encore pas mal de choses à faire avant d'appeler les autres pour attaquer la base des Zéniths.
c'est bon. Je suis au point de rendez-vous. Il est temps d'aller sauver Beta et Gaïa. C'est compris, Aloy. Nous sommes en route. Aloy. Où sont les autres ? Juste là, derrière. Cette tête d'œuf voulait pas voyager avec tout le monde. Tout le monde est là ? Alors on y va. Un tunnel. Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île. Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser, j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement. Alors je n'en ai pas parlé aux autres. On y va ? Oh, j'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base. Pareil. Oh. Voilà la tour de lancement. Cette plaine est à découvert, et il n'y a qu'un seul chemin possible par ici. Des spectres vont sûrement le garder. Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars. Très bien. Alva, Kotalo, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quelque chose d'important. Erend, avec moi. Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir. C'est une bonne tactique, j'imagine. Et elle, que fera-t-elle ? Il y a un nœud de capteur pas loin. Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu. Mais pas longtemps. Eh bien, poursuivons dans ce cas. Autre chose. Ouvre le canal à Beta. Juste l'audio. Aloy ? On est là. Et on vient te sauver. Tu sais quoi faire, pas vrai ? Bien sûr, tant que tu fais ta part. Sans faute. À tout de suite. Sois prudente. Allons-y. Va à la tour de lancement le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion. Attention, Aloy. Un spectre droit devant. On a de la compagnie. Allez. Je fais toujours. Détruire toutes ces machines. Pas de la bière, mais ça ira bien. Aloy, sur toi ! Son point faible. Hey, ça va aller ? Oui. Je vais trouver un moyen de remonter. Hey, t'es en bas ? Ça ira. Je vais tout remonter. Ouais.
elles savent qu'il y a un problème. Passer. Il faut juste que je remonte. Je crois que c'est bon. Je crois aussi. Quelque chose ? Oui. On devrait continuer. Y a quoi dans ce sac à dos ? Des enclumes ? Aloy, Alva et moi arrivons vers le régulateur. Tenez-moi au courant. C'est sinistre ici. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Il faudrait un aussi. J'imagine que je vais devoir trouver un autre chemin. Il y a beaucoup de machines détruites sur cette île. On en a tué beaucoup quand on s'est posé ici. Leur
leurs pièces peuvent sûrement être utiles. Un autre spectre. Évite-le ou attaque, comme tu veux. Je me suis fait repérer. Tu fais. Aide en tirant des flèches. Ils sont pas trop mal, j'imagine. Mieux que n'importe quel océram. C'est le moment de l'attaquer avec du plasma. Des éclats? Un peu. Ça devrait marcher. C'est fait. Prends ça, au cas où. Ça va aider. On peut traverser sur la carcasse d'oiseau tempête. Ah oui, c'était le bon temps. D'Activa. Je devrais utiliser des munitions de plasma. Trouvez le point faible. Longue vie à la castagne. Pourquoi pas t'en mettre dessus? Alloy, les munitions.
Voilà ce qu'on veut. On va tailler du métal. Je crois qu'on les a tous eus. Ici, du moins. On continue. Juste des pièces. Par-dessus ce rocher. Il faut faire le tour en escaladant. Je vais essayer de pas trop me plaindre. Allez, Aloy, on y va. Je vois la suite du chemin. Continuez d'avancer. On va aussi vite que possible. Tout va bien ? Oh, je survivrai. Ils ont combien de spectres, les Inites ? Bien plus qu'on voudrait en affronter, ça c'est certain. On dirait que les autres se débrouillent très bien. Le combat sera plus rapide si j'utilise des munitions plasma. Allez, on monte là-dessus. Aloy, Alva et moi sommes en position. Allez-y, détruisez le régulateur. Il faut juste que j'allume les charges. Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Aloy, je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne l'a pas. Allez, Beta, allez, allez, allez. Qu'est-ce que c'est que ça ? Armée. Moi
crois que tu as leur attention. Très joli coup. Tu as demandé à Beta d'injecter Héphaïstos dans la matrice d'impression de la base. Qui est plus rapide et plus puissante que n'importe quel creuset. Oui, et maintenant elle crée des machines autant qu'elle le souhaite. Avant que cet endroit se transforme en champ de bataille. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Ou peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité avec la base de données d'Apollon. À l'œil. Au cas où on survivrait pas. J'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est? On a dû faire autant d'escalades. Ce gros rocher pourrait nous servir de pont pour traverser. Oui. Apparemment, tous les spectres ne combattent pas les machines. Non, parce que ça aurait été bien trop facile. Par ici. Quel saut ! Vers la droite, je pense. Maintenant à gauche. Tu peux atteindre la tour de lancement en traversant le hangar. Je me dirige là-bas pour te rejoindre. À l'état, mais je vois une entrée. Vite à l'œil. Encore un. Attention à pas t'en...
remettre dessus. On y va. Arrêtez, Aloy. Par là. Wow. Regarde-moi tous ces... ces trucs de l'espace. Ah, c'est donc toi qui es à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zénith en vue, on pourrait abattre leurs boucliers. Je charge l'appareil. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous. Des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Gérard ne doit pas s'échapper. Il ne mettra pas longtemps avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là ? Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se frayer un chemin. Parez ! Gaïa, je vais arrêter Gérard.
Je dois atteindre le sommet de la tour et libérer Beta. Aloy ! Trêve, foutue machine ! Toutes mes excuses. On va s'en tirer, si Alpha ne traîne pas. Je suis presque dans le réseau. Fais ton mieux. Bon, un ascenseur. C'est un début. On a encore des affaires à régler, jeune fille. Je n'ai pas besoin d'un bouclier pour me débarrasser de toi. Crois-moi, tu vas regretter d'avoir dit ça. Ah, j'ai mal. Tu es dépassé. Aloy, t'es là? Je viens pour t'aider. Je dois juste trouver par où passer. Je vais t'abattre! Tu me fais ressentir tout ça. Prêt ? C'est presque fini. Je te briserai. J'avais presque oublié ce que ça faisait d'avoir mal. On s'amuse bien, hein? Tout va bien? Ça ira, je suppose. Allez, va sauver ta sœur. Je vais rejoindre les autres pour m'assurer qu'ils vont bien. On dirait que les machines et les spectres se sont pratiquement entretués. C'était quoi, ça? Aloy, Gérard vient d'activer le protocole d'autodestruction sur la matrice d'impression. Il prend le contrôle de plusieurs systèmes. Ça inclut l'ascenseur? J'en ai bien peur, oui. Il a restreint l'accès au sommet. Tu vas devoir continuer en grimpant. Je dois y aller. Je l'ai presque. Erend, tout le monde va bien en bas? Ouais, à peu près. On s'occupe des derniers spectres. Et les zéniths? Mort, je crois. So m'a dit que t'avais eu Eric. Bien joué. Ouais. Merci. Ça veut dire qu'il ne reste que Tilda et Gérard. Aloy, t'es là?
Écoute, je suis entrée dans le réseau, mais j'ai été éjectée au bout d'une minute. J'ai trouvé des plans de vol et des trajectoires, comme si les Zéniths avaient prévu de quitter la Terre. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais ce n'est pas tout. Les fichiers que j'ai trouvés mentionnaient fréquemment un certain Némésis. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait peur aux Zéniths. Alva ? Alva ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Peut-être que Beta pourra m'aider à comprendre. Si elle va bien. J'y suis presque. Est-ce que ça va ? Écoute, je sais que tu as beaucoup souffert, mais tu dois m'aider à accéder au réseau des Zéniths. Je dois vérifier leurs fichiers, tout ce qui contient le terme Némésis. D'accord. Par ici. Tous les systèmes de la base ont grillé. Je devrais pouvoir y accéder. Oui, Némésis. Là. Il y a quelque chose dans l'espace. Et ça suit les Zéniths vers la Terre. Là. Vecteur d'évitement. Alva avait essayé de me prévenir. Les Zéniths ne comptent pas rester ici. On dirait une sorte de machine. Ou plutôt un essaim. Les relevés énergétiques sont astronomiques. Aloy, je ne crois pas que ce soit un désastre naturel qui ait chassé les Zéniths de Sirius. C'est cette chose. Ils ne comptent pas s'installer sur Terre. Ce n'est qu'un relais pour eux. Ils sont en fuite. Yeah!
Je vois que tu es allé fouiner. Et toi, tu m'as menti. Némésis, qu'est-ce que c'est? C'est nous. Les esprits de Zénith lointain. Ou plutôt de Palkopi, en fait. Quand j'étais sur Sirius, pour certains de mes semblables, l'immortalité physique n'était que le début. La transcendance numérique. C'était le moyen de transférer leur esprit dans tout corps mécanique ou organique. Némésis était une expérience ratée dans ce but. Abandonnée, mais jamais supprimée. Une immense base de données de nos souvenirs, émotions et préjugés, laissés à l'abandon. Et ça a détruit votre colonie ? Nous ne nous sommes pas rendus compte qu'il avait sa propre volonté avant qu'il s'échappe. Il lui a suffi de consulter nos souvenirs. Protocole de sécurité, outils système, code d'accès. Il a tout piraté avant qu'on ne voie quoi que ce soit. Puis il s'est emparé de notre complexe d'impression afin de créer les machines dont il avait besoin pour nous anéantir tous. Mais pourquoi ? Imagine-toi piégé seul pendant des décennies, avec les souvenirs d'une bande de mégalomanes pour unique compagnie. Il veut se venger de nous pour l'avoir abandonné dans cette prison. Maintenant qu'il est libre, il fera tout ce qu'il peut pour nous détruire, y compris nous empêcher de faire une halte sur Terre. Le signal d'extinction qui a réveillé Hadès. Ce n'était pas vous. C'était Némésis. Ça y est, tu as fini par comprendre. Et comme ça a échoué, il a quitté Sirius pour finir le travail lui-même. C'est pourquoi nous devons fuir, vers une planète inconnue, près d'une étoile inconnue, là où il ne nous trouvera jamais. Avec Gaïa, pour que vous puissiez vous créer un nouveau monde. C'est le plan. Pas le choix. La Terre est condamnée, Aloy. Némésis détruira toute vie pour priver ses créateurs d'un foyer. Mais le rêve d'Elisabeth vivra. Tu m'accompagnes dans l'espace. Avec Gaïa, nous créerons un nouveau monde. Ensemble. Là où ce monstre ne pourra jamais nous trouver. Quoi ? Non. J'aimais Elisabeth. Plus que tu ne peux l'imaginer. Et je l'ai laissée ici, où elle est morte, avec le reste de l'humanité. Une erreur que je n'ai cessé de regretter depuis 1000 ans. Mais elle se tient à nouveau devant moi. Non pas une vulgaire copie, mais la meilleure version d'elle-même. Donc tu n'as pas le choix. Tu viens avec moi. Tu dois trouver ça dur, mais tu me pardonneras dans quelques siècles. Tu ne peux pas m'obliger, Tilda. Tu n'as plus de bouclier. J'ai quelque chose de bien mieux. Spectre Prime, à moi. Va se cacher! Cours vers la porte! Abandonne, Aloy. Tu ne gagneras pas. Ça me fait souvent. Ce spectre a été conçu pour résister à bien plus que ça. Je devrais avoir scanné ça. Pourquoi tu te retiens ?
cible active. Est-ce qu'elle a voulu t'enlever? Et elle t'a dit pour Némésis. Alors tu savais depuis le début? Oui, grâce à Hadès. Tout comme les données permettant d'effacer les boucliers des Zéniths. C'est le fondement de tout ce que j'ai entrepris pour créer cette armée de rebelles, dans le but de rejoindre ce lieu à cet instant. Et t'aurais pas pu m'en parler? Je t'en prie, Aloy. Tu es la dernière personne à faire preuve de logique face à un choix impossible. Quand j'ai appris par Hadès pour Némésis, j'ai élaboré ma stratégie et déplacé mes pions. Et à ce moment précis, j'ai su que tu refuserais de jouer à ce jeu-là. Et que tu interviendrais pour tenter de sauver les Ténacs. J'avais raison, en partie. Tu as anéanti mes plans, mais tu as su aller au bout des tiens. Au final, le résultat est le même. Nous sommes ici. Et maintenant, il est temps pour moi de quitter cette planète condamnée, de m'emparer de l'Odyssée et des données Apollon, afin d'entamer un nouveau chapitre dans ma quête de savoir, un chapitre aux possibilités infinies. Tu peux m'accompagner si tu le désires. Tu as plus que mérité ta place. Contrairement à Tilda, je te laisse le choix d'accepter ou non. Alors tu voudrais partir et tout laisser derrière toi ? Reste. Aide-moi à combattre cette chose. Peut-être que Tilda a omis de te donner certains détails. Némésis ne peut être arrêté. Il a détruit une colonie de Zéniths très développée en quelques heures. Quel espoir reste-t-il pour une terre aussi primitive? Si tu emmenais Gaïa, tu ne serais pas en train d'abandonner la vie. Tu la ferais éclore dans un nouveau monde. Tout comme l'a fait Elisabeth. C'est ça qu'elle a choisi. Sacrifier tout ce qui est au nom de ce qui pourrait advenir. Si elle était là à ta place, elle monterait dans cette navette à l'œil. Je l'ai trouvée. Elle est blessée? Toujours debout. Grâce aux 10. Au revoir, Silence.
Ça a l'air d'aller. Elle a l'air triomphale. Comme toujours. Aloy, tu as réussi. Où est-ce qu'il va ? Il part le plus loin possible de cet endroit. Oh. T'es sûr ? Tu restes ? Pour un temps. Vous allez avoir besoin de toute l'aide que vous pourrez trouver. Bon, quelqu'un d'autre veut à boire ? Pas si c'est ta bière immonde. Je ferai bien une petite sieste. Excellente idée. J'espère que c'est vraiment fini cette fois. Et notre bataille se prépare, Elisabeth. Très différente de celle que tu as connue. Il ne s'agit pas d'espérer la création d'un nouveau monde. Mais de préserver celui que nous avons. Mes amis ont une nouvelle mission. Prévenir tout le monde et demander de l'aide. Ils n'ont pas hésité. Je crois que c'est parce qu'ils savent déjà ce que je commence tout juste à comprendre. Que les gens de ce monde ont la force nécessaire pour mener tous les combats. L'intelligence, pour résoudre tout problème. Le courage, pour surmonter tout obstacle. Et la ténacité. Pour se relever après tous les échecs. Quant à moi, je peux pas dire que j'ai pas peur. Les épreuves qui nous attendent dépassent tout ce que nous avons connu jusqu'ici. Mais je ne vais pas laisser ces peurs m'atteindre. Parce que pour la première fois de ma vie, je sens que je ne suis pas seule. Je
Il te fallait quelque chose ? Tout va bien, Gaïa ? Oui, je suis heureuse d'être ici, même s'il faudra du temps pour que ma matrice heuristique se réinitialise. Je dois m'assurer que l'intégralité du code des Zéniths a été purgée de mes systèmes. Bonne idée. Prends le temps qu'il te faudra.